Bonjour. Bonjour, madame Delib. Bienvenue, je... Nous étions déjà en train de parler du cours. Oui, j'ai entendu. Mais continuez, faites comme si j'étais pas là. Je vais m'installer dans le fond. Vous avez choisi la meilleure place. J'espère que vous avez pris votre coussin. Bien. Allons-y. L'Assemblée nationale constituante. Je comprends pas. Je suis pas virée. Ça veut dire que ce que vous m'avez dit l'autre jour, ça m'a fait réfléchir. Vous avez obtenu votre bac récemment. Vous avez passé une double licence tout en travaillant à côté. Oui, c'est vrai. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas donc. Je l'ai pas eu. Mais c'est exactement là où je veux en venir. Voilà. Vous avez de l'ambition, du courage, de la ténacité. Et ça, c'est un bel exemple pour les élèves. Alors, c'est sûr, vous avez des lacunes. Mais les lacunes, ça se comble. Faut juste qu'on vous laisse le temps. Moi, j'ai envie de parier sur vous. Pour moi, vous êtes apte à enseigner. Faites-vous confiance et puis le reste suivra. C'était ça ton truc important? Un vrai casse-tête pour les réunir. Merci. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Désolé pour tout à l'heure, on était sur les derniers préparatifs. Oui, on a dû se caler sur vos heures de cours pour tout préparer sans se faire griller. Allez vite, une coupe de champagne pour la star du jour. Moi, je vous dois des excuses, Laetitia. J'ai eu beaucoup d'a priori sur vous, des a priori totalement idiots. Je comprends, vous inquiétez pas. Et puis, vous avez passé haut la main l'inspection avec madame Delib, respect. Et j'ai pas oublié notre parcours pédagogique histoire français. Et j'ai hâte de travailler main dans la main avec vous. Enfin, plutôt avec toi, parce qu'entre collègues, on se tutoie. Merci. S'il vous plaît, pour paraphraser Napoléon, impossible n'est pas français. Impossible n'est pas Bélesta. Jérôme nous l'avait prouvé. Aujourd'hui, c'est ton tour, Laetitia. Je suis ravi que tu rejoignes notre équipe, notre famille. À toi, Laetitia, ma chère amie, à ta carrière, à ton bonheur. Laetitia! Merci.